C'est dans cette petite boutique de Saint-Quentin-en-Yvelines que des bénévoles s'activent pour venir en aide aux familles démunies de l'agglomération. Son nom, Baliski. Elle fête ses 20 ans d'existence cette semaine. Une des belles récompenses qu'on peut avoir, c'est les visites de familles qui reviennent nous voir pour nous dire qu'elles sont sorties de la difficulté où elles étaient, qu'elles se trouvent bien. Quand il nous arrive de faire une collecte alimentaire, on peut rencontrer aussi des familles qui se montrent d'ailleurs particulièrement généreuses et qui sont passées par Baliski. L'association s'adresse aux familles en difficulté, porteuses d'un projet ayant besoin d'une aide temporaire. Elle doit sa notoriété depuis 20 ans au financement de nombreux contributeurs. L'association bénéficie de dons, déjà du Conseil Général, de la Casqui, des quatre communes où on a des familles, donc Montigny-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux, Guyancourt. On a des dons privés aussi qui viennent des entreprises. Et puis Baliski organise tout au long de l'année régulièrement des spectacles, un concert de jazz, concert de piano, il y a des pièces de théâtre. Donc ça nous fait effectivement un apport de fonds qui permet à Baliski de pouvoir joindre les deux bouts. Tous les mois, Baliski peut accueillir 54 familles sur 3 mois renouvelables, ce qui représente 500 personnes chaque année.